l'amitié qui me permet, tout d'abord, au lieu de m'adresser à vous très protocolairement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous dire tout simplement, et parce que nous sommes convaincus que si vous êtes là, c'est aussi pour avec nous passer cette journée de l'amitié, de vous dire à toutes et à tous, chers amis, une très cordiale bienvenue et surtout le souhait que vous allez passer un agréable après-midi en compagnie de tous les artistes qui sont là. Journée de l'amitié puisque effectivement 27 artistes bénévolement sont réunis dans cette salle pour vous faire un petit tour d'horizon des différents programmes de musicaux. Et Jabri vous a déjà... C'est bien, il cherche une augmentation de salaire. Vous a déjà donné un avant-goût de la variété du programme. Mais donc je crois que quand même, on ne va pas s'arrêter aux exhibitions pianistiques de notre ami Jabri, mais bien vous présenter maintenant, chers amis, en ouverture, un petit hommage à la musique classique interprétée au piano par Christian Ross. Une joie d'être devant vous. Et puis, c'est également la première fois que toute la section agrès se présente ensemble et vous allez pouvoir admirer des jeunes filles qui passent de l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans. De cette première interprétation, Vienne restera toujours Vienne. De René Pahut, le cirque des enfants. Que le chœur du Léman sous la direction de Marcel Hoppe qui va vous interpréter tout d'abord une composition de Jean Ferrat, La Montagne, dans une harmonisation de leur directeur.
gymnastique des aînés. Et maintenant, nous sommes heureux de les accueillir pour vous présenter un tout petit peu de leur programme sous la responsabilité de Vicky Sulliguer. Un petit moment de silence. Chanson Ferrage.
Eh bien, bravo et merci à Martine. C'est vraiment la chanson, puisqu'elle ne fait appel à aucun moyen technique, à aucun playback, mais ce n'est que son cœur et son talent. Merci encore. Les organisateurs se sont vraiment, comment dit vulgairement, décarcassés pour vous trouver un spectacle fabuleux. Ils ont réussi, à titre tout à fait exceptionnel, grâce aux nombreuses relations qu'ils possèdent dans le monde entier, à découvrir deux jeunes talents, deux jeunes virtuoses, enfin un numéro tout à fait exceptionnel, que vous n'aurez pas souvent l'occasion de revoir. Alors, en fait, pourquoi vous l'annoncez ? Regardez ! Yeah.
chanson. Eh bien, nous allons terminer en musique avec un groupe qu'il est presque inutile de présenter. Ils ont tourné la Suisse et l'étranger. Ils sont les dignes représentants tout d'abord de la musique folklorique, mais également de l'amitié, puisque chaque fois que l'on fait appel à eux, ils répondent toujours présents. Voici les Chats de Vrai. L'ensemble des Chats de Vrai que vous allez, chers amis, rejoindre.